Et bonjour, internautatrices et internautateurs. Ici Gaiden pour les jeux du cygne avec Éternel, encore et toujours lui. Salut tout le monde. Et nous sommes toujours sur Total War Warhammer 3, nous sommes toujours sur SF avec le mode SFO. Et nous avons donc un joli combat à mener. Donc voilà ce que moi j'ai, plein de jolis petits scaven. J'ai pas de magie, ce qui est un peu con parce qu'il y a 100 puits devant de réserve d'eau magique. En face de moi, on a pas mal de Kiskelites avec plein de réserves de magie aussi, mais pas un sort non plus. Voilà, il y a 4 héros, mais pas un seul sort. Donc, on va partir là-dessus. On va quand même se faire quelques petits invocs parce que des fois que. Et on est parti. De petites invoques, ça fera pas beaucoup, mais il n'a pas d'artillerie donc il va juste falloir un peu emmerder ses tireurs. Mais il a beaucoup trop de tireurs pour que je puisse tous les emmerder donc Ah oui, c'est pas tes armées habituelles. et c'est pas mes armées habituelles, tout à fait. Mais moi, Donc oui, j'ai pas de fufu, j'ai d'accord, et ok. non, t'as pas de fufu là, tu vas voir de la cavalerie, il Ok. va y avoir plein de trucs qui vont vite. Ah, Tiens, vite, voilà. c'est des monstres. Ouais, 4 ogres. Je vais te passer les 4 ogres, les deux terreurs de Je sais machin. pas si ça va si vite que ça, mais ok. Ah bah, c'est la cavalerie des Skaven. On est d'accord que ça reste assez Non, limité. c'est leur ralou, leur cavalerie, C'est mais pas faux, maintenant c'est les ragots. Ouais. qu'ils ont de vraiment rapide, ça c'est quoi, du Oui, 60, mais c'est 70 peut-être. de la cavalerie légère, le ralou. Ça, c'est plutôt de la cavalerie lourde. Là. C'est l'équivalent de la cavalerie lourde, on va dire. De toute façon, vu le nombre de tireurs qu'il a, il va falloir. Hein. Il va falloir aller les chercher. J'ai pas le droit d'aller me balader. Ensuite. Non. Et puis, s'il met bien derrière, quoi. Bon, ce qui est un peu con pour lui, c'est que j'ai des canons et pas lui. Donc, les horreurs de la portée. Quoi? Oui, c'est des créatures, c'est des monstres. Hein. Les horreurs de la portée. Mais tout ça, c'est du monstre, hein. C'est du Et le rat ogre créature monstrueuse. mutant, Mutant à ogre, c'est pareil, c'est c'est tout seul. 70 de vitesse. Là, les rats ogres, c'est moins rapide que le rat ogre mutant. Oui, bah c'est normal, c'est un mutant. Mais ils vont à 60. Ils vont Et à par contre, 60 de vitesse. les horreurs de la portée, c'est 100. Hein. Ah oui, ça C'est c'est mieux vraiment déjà. rapide. Ça c'est déjà un peu mieux. Vraiment rapide. Donc. Avec Blood Frenzy, Alpha, d'accord. Ah, c'est dommage. Ah ouais, pardon, il faut que je les fasse se déplacer en meute. Pourquoi il y a du buff Parce que les horreurs de la portée, ça file un buff de plus 5 de armor piercing aux alliés clan Mulder à côté, mais pas elle en fait. Ah. C'est mais bon, c'est pas très très grave, mais Tiens, je te donne un dans héros, comme il y en a deux. un lord qui a 70 de vitesse aussi. Ok. Alors ceci étant, ah, c'est con qu'il soit aussi lent ton support spécialiste parce que c'est un booster de Mulder. Et sûrement. Mais effectivement, il sera pas assez rapide pour suivre. Il sera pas assez rapide, non. Bien. Et il n'y a pas de déploiement d'avant-garde non plus. Et non. Où est-ce que je vais mettre mes canons? Mes canons qui vont pas être tip top vu ce qu'il en face. Il a rien de gros. On va S'il a faire comme des. ça. Il a ses des traîneaux de guerre. Et un peu de cavalerie, mais. Non, il y a un peu de cavalerie quand Oui, même. il a un peu de cavalerie. Il va Ça peut falloir que éventuellement je faire un me peu le taf. il va falloir que je me mette là. Hop, que je monte. Tu me dis quand t'es prêt. Alors. Et Trotz, qu'est-ce qu'il me fait? Il fait une optimisation de zone. Bah c'est pareil, c'est aussi sur les unités Mulder. Ouais. Ah non, pas que lui, Master Controller, ça fonctionne sur tous les alliés, d'accord. Beast Pack, c'est du summon. Creature Killer, c'est sur du général. Ouais, donc c'est son actif de soin qui ne fonctionne que sur les unités du clan, que sur les monstres du clan Mulder. C'est quoi? C'est un.
C'est le remouler, non? C'est un heal et boost de d'attaque et de leadership. Mais qui en... Non, c'est sur une Ah unité oui, au ciblée. niveau de soin, d'accord. C'est sur ces monstres, donc c'est toujours Ah des ok. unités ciblées. Bah de toute façon, tu vas éviter d'attaquer tout seul, hein. On est Oui, d'accord? je vais essayer, oui, promis. C'est pas garanti, parce qu'en général, chaque fois que tu me files de la cavalerie, j'ai tendance à foncer tout droit. Bah, le truc, c'est que toi, tu dois faire. T'as 16 ans, est-ce que t'avances ou est-ce qu'on attend qu'ils viennent à cause des canons? Alors moi de toute façon je vais m'avancer un peu parce que Oui, les t'avances un petit canons peu, mais. je vais les mettre sur la crête qui est Oui, c'est ça, parce que là, ils sont mal placés, mais. je vais les mettre là. Oui, c'est ça. Tu vas t'avancer un petit peu. Voilà, je vais m'avancer un Et de petit toute façon, c'est peu forcément lui qui va venir, donc. et je vais mettre le reste de mes unités comme ça, en gros. De toute façon, je peux me planquer dans la forêt avec toutes mes unités, donc. Bon, on est parti. Et Hop là. De toute façon, il sera un peu obligé de venir me chercher quand même. Tac, tac. Hop, je vais me mettre comme cela. alors j'ai quoi là? J'ai armor piercing, Je lance doucement. anti-infanterie. D'accord, donc j'ai pas d'anti-large de toute façon, j'ai que de l'anti-infanterie. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de se reculer. J'ai l'impression. Oui. Ou il se réoriente. Ou Ouais, non, c'est ça, ouais, il se il se réoriente. J'ai réoriente. l'impression qu'il venait vers moi, mais. Eh mec, j'ai des canons. Ouh, il réagira bien assez vite, hein. Alors, je suis obligé de les avancer encore un peu. Cossard en armure, ils sont où c'est? Tu peux shooter son lord aussi, qui est sur Nounours. Ah oui, il est sur un ours, ça c'est pas mal. Donc anti-large, ça peut les faire chier si tu leur pètes leur lord à distance. Hein. Boum, allez, ça canonne, bim, les chariots. Ah non, mais quel canon, c'est une saloperie. C'est pas pour rien que c'est un star violet. Hein. C'est un. Bim, les chariots 2. Ouais, Ah, t'as raté. c'est plus petit. C'est un peu plus petit le lord, puis t'as des arbres devant. C'est double peine. Je pense qu'il Ah. vaudrait mieux que t'inverses en fait. Que tu Ouais. ceux qui tirent sur le chariot tirent sur le. Ils ont une petite chance d'arriver à esquiver la forêt, alors que les autres sont en plein dedans. Donc. Ouais, pas gagné. Bah, c'est pas fou, mais bon. Ah, ça y bouge un peu quand même. Ouais, pas beaucoup. Bah, les chariots, ils aiment pas. Hein. Bah, il y en a déjà un qui est mort. Il veut monter la colline. Bon. Mais m'enfuir! Tu peux pas beaucoup reculer là, t'as plus beaucoup de marge. Bon, écoute, je vais m'avancer. Je vais avancer mes canons. Bah, Je essaye vais de te décaler foutre. un petit peu sur la gauche pour te Ouais. mettre entre les deux forêts pour tirer. Oh putain, Où je c'est. vais sortir de la forêt, hein, parce que sinon je serai jamais là pour t'attraper. Oh, tu. Ah oui, si, ceux-là, ils sont un peu loin. Je vais pas pouvoir trop les Bah, faire. les autres, j'hésite à trop m'avancer parce que. Si je m'avance, il va me charger avec sa cavalerie. Et comme c'est. Sachant qu'il est en train d'avancer vers le bois, Il est en train etc. d'avancer à gauche. Bah, J'ai il est un. sympa, il a mis ses troupes sur la butte, histoire que je puisse plus facilement les shooter. Comment t'es pas de magie? Des jolis paquets là. C'est un peu dommage. Bon, mais t'es un peu loin en même temps donc. Je suis aussi un peu loin. Ouais, non, il vient clairement me chercher hein, à gauche. Ouais, il m'envoie deux unités de cavalerie et une unité de cossards. Bon, c'est ses gardes du tsar qui prennent si c'est pas son lord, donc ça me va aussi. Boum. Ouais. Nikolai. Pas bobo, Nikolai. Nikolai, tout cassé. Encore. Bon alors, dépêche de sortir du bois là. Ou faut que j'aille te chercher dedans? Je vais peut-être aller te chercher dedans en fait, du coup, parce que toi t'es de la cavalerie, moi pas. Je pense qu'il n'aura plus beaucoup de temps. T'as ralenti. Alors. La pause s'est suffisamment ralentie. Oui, voilà. Il a quoi, Derviche? Bon, l'avantage c'est qu'il a pas d'anti-large non plus, lui. Donc. Les Alors, prends lanciers ici. ailés. Ah oui, c'est anti-infanterie. Ouais. Le cas échéant, Bah, je peux te faire une c'est bon petite pour moi. invoque dedans si ça t'intéresse.
Non, 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 il a 3 unités, j'en ai 4, et logiquement j'ai un peu plus de masse que lui, donc... Par contre, je veux bien que tu ralentisses. Oui, je suis parti D'accord. en fois. C'est bon, je suis... ses archers sont impactés, ses derviches sont déjà quasiment en fuite. Bim. Il n'y a aucun souci. Par contre, du coup, je surveille pas à droite, il m'envoie aussi des troupes à droite, ok. Ils sont Ouais, mais plus c'est loin, mais... pareil, c'est du 4 contre 3, donc... Oui, non, puis ils sont... Encore pour l'instant, ils sont plus loin, donc j'ai le temps de gérer. Là, quelque part, ce qui tient le mieux, c'est son infanterie. Et... Ah, par contre, c'est du qui se lévite. Donc, ils ont l'immunité au moral temporaire. J'avais oublié ce léger détail. Ouais, le Lord, c'est quand même pas hyper efficace. Non? Ouais, bah, c'est en même temps, c'est une toute petite cible, Ça quoi, donc... reste... Et en même temps, est-ce que t'as beaucoup d'autres cibles à tirer avec tes canons? J'ai C'est ça, le truc. pas 50 000. Donc, alors que voilà, il a perdu un tiers de sa vie, si t'arrives à le faire sortir... Ouais, c'est pas faux. Ah, le char, il s'en va. Alors, à droite. Ça y est, ça bouge, ça avance. Oui, bah oui. Ah, je surveille comment ça se passe des deux côtés. Un poil éloigné. Bon, Allez, hop. Ceux-là, ils hop. sont en fuite. Ceux-là, ils Je vais vont mettre les deux tarder. canons sur le Lord. Et... De toute façon, son chariot est mort, donc Son chariot est... maintenant Il... c'est Non, plus que de il la est pas mort, pietaille. il a fui. Oui, bah voilà, il est plus là. Voilà. Sachant que t'attaques une ville, donc de toute façon, il est mort. C'est ça. Bon, là-bas, on en est où? Hop, bah il n'y a plus que. Bon, nickel. Comme ça, je vais pouvoir les prendre de flanc. Il a plus rien pour me contrer. Ces gardes du tsar, ils ont pris cher, ça m'arrange aussi. Ça dure combien de temps ce buff C'est 10 de secondes, je crois. d'endurance là? 30 secondes. 10, L'unbreakable. 30? 30 secondes, l'unbreakable. Non, c'est. Ouais, sinon t'as raison, en fait, son lord il aime pas du tout. Mais Au non, je te dis, final. le Lord, quand il se rapproche un peu, là, il était derrière des arbres, super loin, Ah machin, tout merde, je ça. commence à me faire tirer dessus là. Alors. Là-bas. Forcément, il tire sur les hallebardes. Les Raogres, vous allez aller ici. Énormément, putain. Le héros, tu vas aller là-bas aussi. Il a quand même un peu de tireur de mon côté, donc il faut que je fasse gaffe. Tiens, il est Le en problème, train. c'est que c'est que des unités qui Il est en train savent de me juste charger la à faire droite, aider. hein, pour info. De quoi? Bah oui, il t'envoie une unité de Non, non, mais. cavalerie Ouais. sur tes Non, lanciers. c'est. D'accord. Non, non, mais c'est. Je sais pas si t'as percuté. Allez, si, si, non, mais c'est bon, à gauche c'est fini, donc à gauche j'envoie mes troupes. J'envoie. Hop. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc, je disais. Pourquoi est-ce qu'il me change l'ordre des unités? C'est quoi ce délire? Hop, ça là. Et ça là. Voilà. Tu me dis quand je relance. C'est bon, vas-y. Bon, il n'aura plus de l'ordre d'ici peu. Hop. Bon, sa cavalerie contre mes lanciers, mes vermines de choc avec hallebarde. Qui va gagner? Et du coup, il revient vers moi. Bah oui, bah écoute, hé. Non, il s'est arrêté. Si, Bon, oui, non. il a Non, des il revient. il a des pops son lord. Hein. Je vais le countercharge. Bon, et puis j'ai envoyé des strelsi parce Alors là-bas, on en est où? C'est bon. Oui. J'étais pas très inquiet, mais on lui Oh, roule dessus. le léopard des neiges. C'est Oh, t'en large. fous, c'est un anti-large, c'est moi qui ai les larges, donc Oui, non, mais c'est faut juste pour. éviter qu'il te fasse Bon, le tour et quoique. qu'il tombe sur tes canons. À part ça, Non, non, mais il tombera pas sur mes canons. Ouais, puis là, ouais, mais tu leur as défoncé leur lord, le moral il s'effondre à une C'est vitesse ça. là. Leur unbreakable il tombe dessus ultra vite là. Hop. Bon, le truc c'est qu'il m'attend en fait à chaque fois. Cossard en armure. Bah le truc c'est que là toi t'as que des canons et sinon là c'est de la piétaille, lui il a C'est que du ça. tir. Donc là Hop. t'es obligé d'y aller, tu peux pas te contenter de C'est l'attendre. ça. Je peux pas l'attendre. Moi je me débarrasse des unités une par une, mais il va falloir du temps pour que j'arrive au milieu. Et je vais envoyer. Ah tiens, je peux faire mes invoques. Je vais te filer des invoques en plus. Dieu. Hop. Tu me dis juste où elles sont. Hop, elles sont au centre en fait. Là, il y a un raogre qui est au centre. D'accord. Tu vas jouer avec des guerriers des clans.
Que je viens de te le donner, le rogue au centre. Ah d'accord, mais tu l'as au centre, d'accord, je pensais que tu l'avais invoqué sur les ennemis. Non, non, je pouvais pas en fait. Et un ralou. Ah d'accord, c'est trop court comme portée. C'est ça, c'est des portées courtes. Ok. Donc, mes deux. Toi, ici, ici, ça va tomber. Tac. Et qui a pris le plus cher pour l'instant, c'est le Raogre Mutant. Là, il a pas régène, lui. Alors que les horreurs de la portée ont régène. Ouais, même sur la piétaille, ça le fait, hein, les canons. De quoi? Oui, bah oui, évidemment, ça reste quand même une unité d'artillerie. C'est juste que c'est spécialisé dans le. Dans l'anti-large, mais. Alors ensuite. Ah, j'ai des ralous aussi, d'accord, ok, j'ai pas vu. C'est chiant le Unbreakable, sérieux. C'est chiant. C'est assez C'est un peu pénible. lourd. Pourquoi tu fous rien, toi? Alors, toi, tu fais quoi? Tu fais l'optimisation de zone. Ah, c'est sur des unités. Ça donne quoi? Attaque de mêlée plus 25 en moins plus 10. Et il faut que ce soit un monstre du clan Mulder. Il est où ton truc qui a eu du mal? Il est complètement à l'opposé, donc tu l'auras pas. C'est le rogre mutant, ouais. Il Bah, à la limite, a eu du mal, il est aux deux tiers de sa vie, quoi. rapproche-le du centre si tu veux. De toute façon, je me rapproche du centre, j'ai fini à gauche, donc. Tu me dis quand il est pas trop loin du Lord. Il est en route. Bon, là, de toute façon, t'as tes guerriers des clans. Hop, t'as des. Oui, t'as des guerriers des clans pour finir les cossards. Moi, je ramène des troupes au centre. Faut que j'aille gérer tout ça. Je l'envoie pour faire la régène. Eh, ton lord, c'est ton lord qui est un peu mal là en fait. Bah, pourtant, il est pas tout seul, mais. Ouais, mais il a pas mal de héros, donc. Bon, de toute façon, là, il. Là, je viens de balancer sa capacité qui l'empêche de bouger mais qui inflige des gros dégâts de zone. Niam. T'es un peu comme ta foreuse à Malpierre. C'est à peu près aussi fragile d'ailleurs. Bon, je crois qu'il se fait aller plus Il tôt. est là, le rogre, non, non, Ouais, mais normalement, je l'ai. il est full là, d'accord, j'ai vu. Normalement, c'est pareil. C'est parti. Bon, je vais faire arrêter les canons parce que. Pourquoi ils sont en combat là? Merde! C'est quoi? Le léopard? C'est qui? C'est le léopard qui est Je t'avais passé par là? prévenu. Il Ah fallait bah. juste pas que Non, le mais léopard tombe sur. j'avais une unité sur lui. Donc c'est Non, bon, mais je suis. il est en fuite là, mais il fallait juste pas que le léopard tombe sur tes canons. Il a réussi à tomber sur tes canons. C'était la seule unité qui pouvait vraiment impacter. Le patriarche. De toute façon, c'est la déroute totale Oui, c'est sauf des les routes totales, unités qui ont c'est le ça. buff actif. Donc, d'ici 25 secondes, ce sera fini. Allez, fois 4. Bim, victoire. Voilà, puis. Tac. Bon, bah ça nous a changé, victoire héroïque, quand même. Disons 81 que pertes. c'était un peu différent comme combat. C'est ça. Putain, 15 000 un canon, 19 000 l'autre. Bim! Les horreurs de la portée, ça fait le taf. Oh putain, 17 000, Oui, les 15 000 à Raogres quoi aussi. Oui, ça? en fait, il y a tout qui fait le taf. Le moins efficace, c'est le Raogre Mutant. Ouais, d'accord. Qui est quand même à 10 000 de dégâts. Ça va. Ton lord, il est monté à 70, mais c'est quand il a claqué son skill. Ah oui. Ça, en fait, Trot, c'est plus un buffer qu'autre chose, quoi. Ah non, clairement, c'est pas C'est pas du un. tout un combattant. Bah, t'as pas de gros combattant. Snitch, c'est un assassin, c'est pas. Tu le fous dans la mêlée, il va finir par se faire défoncer. Ça reste du Skaven. T'as pas de. T'es pas sur Archaon, quoi. Donc. Mais effectivement, Trot, c'est un peu comme. Merde, je me rappelle plus le. Celui du chef du clan Pestilence. C'est des buffers ou des sorciers, J'ai mais c'est. jamais Voilà. joué. Ouais, mais tu vois, enfin, quand t'es sorcier, t'as plus de. Ah bah là lui il joue énormément en synergie, il joue avec ses bêtes en les buffant à mort. Et de fait, ces bêtes elles font un taf de taré quoi.
Ouais, c'est pas Là, faux. actuellement, tu as fait du kill avec tes unités de ligne parce que c'est la vermine de choc. Dans une arme, dans ton armée normale, ce serait des guerriers des clans, ils auraient fait beaucoup moins. Ouais. Voilà, donc comme prévu, Bon, c'était un carnage. mais c'était un beau carnage. Quoi? C'était un beau carnage. Oui. Allez, on va rester sur ce. Il n'avait pas les armes pour lutter. Bon, c'est juste que maintenant il va falloir le défendre. Et du coup, c'était une fin de tour. Il faut juste que je gère cette ville que je viens de prendre, que je fasse mes level up. Collection de Ah oui, moi je spécimens. venais de poser mon siège, d'accord. Ok. Taux de reconstitution de victime. Ah oui, il faut que je. Ça fait quoi ça? Point de vie, résistance, temps de repos. On prend ça. Et. Ah, il faut quand même que je lui prenne un sorcier. Plus d'invoque. Plus d'invoque. Fury Norse. Ah, il y a Fury Norse. C'est marrant. Sur le héros. Le héros spécifique. Bon, on va prendre ça. Il va faire encore plus de dégâts, le héros. Est-ce que je pourrais pas lui mettre une petite armure de Faut qu'il ait une plus protection? résistance surtout. Ouais. Ouais, si tu... Ça, bon, il lui file un truc qui booste un peu sa résistance. Ouais, ça c'est pas génial. C'est pas terrible. J'ai pas grand-chose en stock. Sinon, il faut que j'ai des habits pierre pour habiller Paul. Il a combien? 85 d'armure. Ça c'est qui? Elkrit, ouais. Le crit, j'en ai pas besoin. Hop. Tac, on va lui donner une petite arme. Qu'est-ce qui. Ah bah. Arme empoisonnée. Très bien. Et un petit talisman qui fait. Est-ce qu'il craint le feu? J'imagine. C'est vrai, il a régène ou pas? Est-ce qu'il a régène? Je pense pas. S'il a pas régène, il craint pas le feu, a priori. Résilience encouragée, immunisée. Monstre Molder, sauf qu'il peut. Point de vie, frénésie, rage, chaotic blessing, frénésie. Non, il n'a pas l'air, donc on s'en fout un peu. Ouais, j'ai pas grand-chose de très intéressant à lui donner, ou sinon c'est pareil, il faut que j'aille choper un truc chez quelqu'un d'autre. J'ai plein d'armures de pied, non, j'ai rien à secouer. Chance de bloquer les tirs. Ouais, mais les pierres de l'aube, c'est bien aussi sur les. Oh, attends, ça c'est quoi? C'est un sorcier. Non. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que je voulais faire. Allez. Je lui donne un peu de régène. Est-ce que j'ai des auxiliaires à lui filer? Que dalle. Lui, est-ce que j'ai des auxiliaires à lui filer? Oui, j'ai des oriflammes, formidable. Hop. Bah tu vas me faire des petites attaques magiques. Ah non, c'est un étendard. Tac. Là, je peux rien lui dire, donner, et là non plus. Et est-ce que je peux aller recruter un sorcier là-dedans ou pas? Recruter héros, chef, maître d'un maître technomage. Merde, 1 sur 1. Chier. Ici, ici, ici. Chef, je n'en ai pas besoin. Et j'ai pas de sorcier, Chine. Bon. Ouais, c'est un peu con. C'est un peu con parce que là. Ah oui, si, d'accord, j'ai le bâtiment pour recruter des technomages, mais comme c'est mon seul bâtiment, eh ben, je peux pas recruter plus. Un assassin. Pff, ça va pas. Ça synergise pas avec. Hop. Ok, et ben ensuite ce sera pour Ostrokov.
Et fin de tour. Tac. Fin du tour. Et au prochain tour, c'est toi. Bon, ça va pas passer en auto Pas sûr. Est-ce que t'as... Celui-là, je pouvais déjà attaquer en fait. Ah, qu'est-ce qui va? J'ai de quoi Cuctus péter a le mis siège, un mais. terme au pack d'accès militaire. Mais n'importe quoi, mec. Qui veut scrire? Ah, oui, ils ont mis fin au trade agreement. Pourquoi est-ce que j'ai reperdu en fiabilité, moi? Ce bazar, j'ai ma fiabilité qui est retombée en verre là-haut. Je t'ai pas appelé contre. T'avais pas un pacte avec Avec l'Ouest? les points de l'Ouest, je pense pas. Et hier, c'était que du KT1. Ouais, mais le fait que vous soyez pas attaqué depuis le début, est-ce que par hasard il n'y avait pas un PNA que t'avais oublié? Peut-être, de toute façon, maintenant c'est fait, c'est Ouais. trop tard. C'est pas très très grave. J'ai pas beaucoup d'ennemis à craindre dans le coin. Je me suis juste chier parce que ça va impacter mes relations avec Morse, donc ça va encore retarder le changement. Alors, Pierre-Victorie en perdant la moitié de mon armée principale. Ah ouais, quand même. Ah, il y a du monde. T'as une garnison full et une armée quasiment pleine. Eh ben, enjoy. Et mais bon, on va faire. Il y a deux tours de siège dans l'engin, ça c'est pas vraiment pour ce que ça va servir. On va enfin pouvoir tester cette nouvelle armée, voir ce qu'elle vaut. Donc il y a quoi? Il y a un Terrorgeist en plus, un Wargulf, un X-Wraith. Vas-y, invite, je rejoindrai pas toujours. Je te jeter un œil. Alors, plein de Spirit Hosts. Des spectres, des cairns, quelques Graveguards. Ah, t'as mis plus qu'une seule catapulte. Non, j'ai Tu les as l'autre dans la répar- deuxième Ouais, armée. tu les as répartis. Je les ai répartis. Et dans l'autre, d'accord, dans l'autre, ça va plus vite. Ah, dans l'autre, ça va beaucoup plus vite. C'est On est sur du. l'armée qui va vite, c'est l'armée qui va Voilà. lentement, quoi. Bah, c'est l'armée qui arrive en renfort, donc c'est pour ça que c'est mieux qu'elle aille un peu plus vite. Et donc en Qu'elle arrive. face, En face, il ouais, y il y a a de du la monde. pied. Ah oui, et puis Il y a de la piétaille. il y a du dragon céleste dans le lot. T'as des Il y a canons. deux dragons. Il y a deux hallebardiers dragons célestes. Non, t'as des arbalétriers. Ah oui, j'ai pas vu les trois arbalétriers aussi. Il y a Ouais, ça. deux canons grues. T'as un autre hallebardier dans. Ouais. Ouais, Y a non. un canon, un grand canon en bataille de siège à l'intérieur, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Ok, ouais, non, effectivement, ça va être. Non, y a un peu de monde. Il y a moyen de ça. Et Alors, il puis n'y a là, pas de magie par contre. il y a Ça, c'est cool. pas de magie en Alors, face. le problème, c'est que moi, il y a de la magie chez moi, mais j'ai pas de vent de magie, c'est Ah oui, dommage. avec 20 de vent magique, ça va pas aller chercher loin. C'est dommage, les vents de mort, je vais pas pouvoir en faire beaucoup. Donc non, ça va être un gros combat. Bah, garde ta magie pour faire du Oui, huile je vais d'appoint dans ce garder pour cas-là. faire un ou deux heals, Je ou une comprends. invoque désespérée si besoin est. Mais encore, normalement, j'ai suffisamment de. Ah, non, parce que j'ai moins de chariots maintenant. Ok. Je n'ai plus qu'un seul chariot. Comment est-ce que tu vas le faire? Je sais pas du tout. Parce que les murs vont être pleins, comme en plus ils sont pas énormes. Ils vont tous être remplis. Alors je sais pas si les petits trucs qu'il y a, les deux petites bandes qu'il y a en haut à droite et à gauche, on peut s'y Alors, déployer ou on pas. l'avait fait cette. Il y a des murs? Oui, il y a des murs. Ah, il y a des murs. Et tu vois pas la carte encore? Si, si, si. Oui, non, effectivement. Ma question était bête. Voilà. Là, c'est une capitale, donc oui.
Ouais, non, je sais pas trop tout en haut ce que c'est. Alors. Ouais, tu. Non. Non, ouais, non, c'est pas du déploiement parce que c'est de la rivière, ok. Je me posais la question. Bah attends. Ouais, non, j'imagine que c'est buggé, mais techniquement, tu devrais pouvoir démarrer dans les murs. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Elle veut pas. Ce serait un petit thé. Ça pourrait, mais elle veut pas. Oui, ce serait un peu fumé. Ouais, Oh putain, elle est super dure cette ville. Non, non, tu démarres directement dedans. Ah oui, bien aussi. Et de l'autre côté non plus. oui, non, mais si. Il y a une petite marge importante, mais. Qu'est-ce que tu Et fais? même Tu avec, une... même avec du déploiement d'avant-garde, tu peux pas. mets tout le monde du même côté? Est-ce que t'as pas intérêt? Tu mets À tout. attendre mes renforts et à tout attaquer Non, d'un seul non, bloc? tout le monde, limite, Bah, de toute façon, là, j'ai pas d'unités qui peuvent vraiment s'infiltrer, donc. tu restes là où t'es. Et avec les renforts, impacter le mur sud Bah, c'est ça, de toute façon, ça va être comme ça, pour hein. l'obliger à se réorganiser. Y a beaucoup de tours, en fait, c'est ça qui m'emmerde. C'est en fait, au sud, qu'il y a même pas de tours du tout, en fait. Ah Sur oui. le mur sud, il n'y a pas de tour, il n'y a pas une seule tour en fait. D'accord, je Et vois l'idée. il y a très peu de murs, ce qui fait qu'il ne pourra pas y aligner beaucoup de monde. Ah oui. Et il y a deux Et, mais, sur, portes. mais surtout le fait de ne pas pouvoir me faire pilonner par ces tours de siège, Je reconnais que ça a un certain attrait. ça a quand même un certain attrait, ni par ces murs, parce que il va pouvoir y mettre du monde, mais il va pouvoir y mettre quoi 3-4 unités sur les murs maxi. Ouais, non, mais effectivement. Bah Là, écoute. je vais plutôt attaquer au sud. Enjoy. Non, pas comme ça. Alors, le truc, c'est que du coup, je vais avoir trop de tours. Oui, bah Je ça c'est. me demande presque si les tours, je ferais pas mieux de les envoyer ailleurs, en fait, justement. Pour diviser ses troupes. Voilà, histoire de diviser un peu, d'envoyer genre du Grave Guard ou du Spiritost. Pour prendre un peu du mur. Ouais, bah. À la limite, tu me laisses gérer les tours et puis. C'est ça. Alors, je vais te filer. Je te file quoi? Plutôt Spiritos ou plutôt Grave Guard? Tu préfères quoi? Bon, file-moi des spiritos. P Ok. poser la question, c'est y répondre. Alors. Ouais, 50 secondes pour tes renforts. Ils seront vite là. Je vais aller de quel côté, c'est pareil, de toute façon. Tu vois, hein, soit tu mets tout d'un côté, soit tu divises, c'est toi qui vois. Ouais, je vais diviser, ça l'obligera à diviser aussi Enfin, de son du coup, c'est côté. un peu con parce que j'ai qu'un seul bélier. Ouais, ça à la limite. Ta deuxième armée, elle a largement de quoi péter un. Comment péter Et t'as la deuxième porte, oui, la mais deuxième bah, porte, hein. logiquement, l'avantage en plus, c'est que j'ai quand même super près de la porte, quoi. On est d'accord que oui, l'avant-garde ça fonctionne pas avec Non, 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 ça fonctionne pas avec les tours. les zones de siège, ce serait un peu pété, il paraît. Et donc là, lui, il va là. C'est vrai que en même temps, de toute façon, j'ai pas besoin de craindre les attaques des tours. Je sais pas si là je pourrais mettre mes deux tours sur le. Et c'est vrai que j'ai aussi une catapulte. Pour péter la deuxième porte. Bien. Bah, de toute façon. Donc, faut y aller, c'est bon? Ouais, vas-y. Alors, comme prévu. Les murs sont pleins. Il a foutu quoi? Un crane cannon. Il a un canon qui est derrière sa porte. Je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire avec. T'as Bon. un Célestial et trois Jades d'un côté. Mes ordres sont donnés. Ouais. C'était rapide. Allez, en route.
Les zombies sur leurs échelles. On Trop sait de monde. à quel point c'est efficace. J'ai trop de monde. Tu m'étonnes. De Je vais toute te dire, façon, ils vont rien. Enfin bref. t'envoies deux zombies sur les murs et Ouais, c'est deux ça. zombies sur chaque porte. Hein. Non, parce que j'ai les béliers qui arrivent sur la deuxième, j'ai pas envie que ça gêne, en fait. Bah, dans ce Ça cas, empêche le bélier d'avancer. tu mets quatre zombies sur la porte et deux Oui, zombies sur les c'est ce murs. que j'avais commencé à faire, donc. 4 zombies sur la porte et 2 zombies sur les murs. Le reste va rester derrière, je pense. Ah non, parce que le problème, c'est que je suis à portée de son canon grue. De toute façon, je vais y envoyer le Mortis Engine pour qu'il balance la régène. Donc, et fait juste chier que je puisse pas. Les Cairnwraith sont équipés avec des échelles. Mais ils ont pas de jambes. Comment ils font? Mais comment ils font-ils? Je te rappelle que un seul lord sort quatre échelles d'un coup. Oui, détail, je veux pas savoir d'où il les sort. Mais... Pourquoi tu les envoies par là? Tu peux poser des échelles avec tes cadres? De quoi? Non, c'était juste pour qu'ils soient hors de portée Ah, de de tir côté. des canons grues. Et ma catapulte, et ben elle va tirer sur les canon grue, justement, qu'elle serve à quelque chose. Allez, feu. Toi, tu vas avoir une tour niveau 4 face à toi et une tour Oui, niveau 2. je suis pas très très étonné. Niveau 3, la deuxième. Niveau 3, je sais pas lire. Et si, c'est juste que l'autre 3 est Ah oui, collé sur la d'accord. tour, mais Je sais pas lire. niveau taf, ouais, la question, bon, je vais pour l'instant tirer sur les canons grues, je mettrai ma catapulte dessus après. Boum. Ah non, mes zombies! Tirez sur mes zombies! Salaud! Pauvre petit zombie innocent. Je pense que l'innocence du zombie est. Ils sont complètement innocents, mes zombies. Ça se discute. Ils sont la pureté incarnée. Comme un ongle. Ouais, ça balance de la boule de feu, les canons. Non, c'est le. Mais non, Les tours, c'est. Oui, les tours. c'est les tours qui font ça. Ah d'accord, il est déjà descendu avec ses canons grues. Okay. Ah, il fait n'importe quoi. Et ben, on va tirer sur les tours. Hein. Il gère tellement mal. Ah mais j'avais oublié, il a aussi ses ballons. Et que ça, je sais pas comment je vais les gérer. Parce que je n'ai littéralement rien pour les gérer. Si, j'ai les Wargeists quand ils vont arriver. Bah oui. Oui, t'as quelques volants normalement. Bah oui, j'ai 2 volants. Bah voilà. Normalement, un Barghast contre une lanterne, la lanterne elle fait pouf. Normalement oui, mais le problème c'est que en dessous des Vargas il y a des arbalétriers. En dessous des canons et des ballons il y a des arbalétriers. C'est un peu ce qui m'angoisse. T'es très angoissé, ce garçon. Vas-y, très. Bah elle est toute neuve mon armée, j'aimerais bien qu'elle dure un peu. Bon Ça donne quoi toi de ton côté? Ah oui t'es bah, encore loin. c'est lent, je Oui. suis pas sûr de garder toutes mes tours. C'est pas grave, c'est que des tours. Hein. Et boum! Hellman qui vient déjà de se faire focus. Ça faisait longtemps. Ouais, garde ta magie pour le soigner. Bah, il régène, hein. Mais Ouais, mais et là, il pouvait, c'était le temps de m'approcher du mur. Maintenant que je suis collé au mur, il pourra plus rien me faire. garde ta magie pour le soigner quand même. Ah oui, non, mais ça c'est prévu. Alors, j'ai du monde qui est arrivé. Ah bah, j'ai tout le monde qui est arrivé. Alors, est-ce que je te file les jouets en plus? Oui. Bah, file-moi les volants, par exemple. Alors, j'ai 3 volants, ouais, du coup. Je vais garder ma deuxième catapulte qui va tirer sur la deuxième tour. Alors tiens. Ouf, voire même je te file toute la cavalerie, moi je vais juste garder les goules. Ok, tu veux que je les fasse contourner la cavalerie ou pas? Bah oui je pense, ça sert à rien, là il va y avoir trop de monde ici, Ouais, ça va ok. bouchonner. Donc je te file les volants et la cavalerie, tiens et le chariot en plus. Le chariot. C'est un rapide. C'est un rapide celui-là. Vitesse Hop. Oui, c'est 80. le Black Coach. Donc il est à 80 vitesse. Je pourrais même limite en fait te filer les Cairnwraith. Mais qui là actuellement ne servent pas à grand chose.
Ah oui, il y a le Terrorgeist aussi. Je vais mettre un Oui, t'as Terrorgeist Interrogate, donc t'as trois, il y a trois volants. sur. Non, je vais mettre les trois ensemble. Je vais aller vite péter son. Et balancer tout le monde. Est-ce que je les balance plutôt à gauche, plutôt à droite? Ou est-ce que je divise? Ah, et puis j'ai mon Strigoi qui est arrivé aussi. Et un deuxième Nécromant. Non, je vais pas diviser. Je vais envoyer toute la cave d'un même côté. Alors, question, est-ce que le Spirit Leash, ça peut fonctionner sur un ballon? Oui, à mon avis. Ils sont l'ordre est trop loin, mais... Le ballon, franchement, il va pas faire un feu. Oui, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce qu'il y a en dessous du ballon, moi, qui m'inquiète. Oui. C'est que pendant que tu vas te faire le ballon, tu vas te faire shooter, quoi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je vais tous envoyer du même côté. Voilà. La porte avec les zombies, ça tombe pas vite. Ça, c'est bizarre. Ouais, Allez, d'ailleurs, je pense que petite. je vais plutôt y mettre mes... Je vais y mettre mes X-Rays, en fait. Raté. Est-ce qu'il va. Ouais, si je vais peut-être arriver à ce que ma tour arrive jusqu'au mur, quand même. C'est quoi leur but Ouais, maintenant? j'ai des zombies qui sont montés contre ces Celestial Dragons. Ah, ça fait le boulot les catapultes contre les tours. Hein. Alors, des Terrorgeist et des Vargeist contre des lanternes. Qui est-ce qui gagne? Les arbalétriers. Ok, bonne réponse. Je sens qu'il y a des petits malins ici. Tu me casses pas mes jouets, suffit. Déjà cassé assez. Bon, en fait, effectivement, les lanternes, elles aiment pas trop. Je pense que elles sont pas faites. Il y a un peu trop de papier. Après, le cas échéant, tu peux peut-être déplacer une unité volante pour aller tabasser une de ces tours. Ouais. Celle de gauche, je pense qu'elle va tomber avec les. J'irai plutôt la tour niveau 4 si tu Ouais, peux. je vais sur le niveau 4. Parce que moi j'ai l'impression que mes Ouf. catap. Ouf. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ça lag. Non, Ah c'est bon. oui. Elle est partie où cette On a en maman? foison. Ouais, non, c'est normal. Ouais! Le bélier est arrivé. On va pouvoir commencer à jouer. Bim. Allez, on démonte la dernière tour. La dernière lanterne. Bon, je vais mettre le Terrorgeist sur la tour. Ouais, non, puisqu'il y a des canons grues là. Oui, il y a les canons grues Non, qui sont à c'est pas côté. une bonne idée alors. Mais c'est bon, la porte a été pétée. Alors. Non, Hop. je vais rester Non, mais vas-y, vas-y, c'est bon, sur du les coup, je peux lanternes du rentrer là coup. donc. Je vais. Alors, du coup, mon Strigoi, Attends, je vais tu vas aller te faire son Lord. laisser. D'ailleurs, qui va se manger. Est-ce qu'on peut cumuler plusieurs sorts sur un. Plusieurs fois le même sort si ça vient de lanceurs Je différents? crois pas. À mon D'accord. avis, non. C'est bien ce qui me semblait. Ou alors ça prolonge peut-être, mais. Bon, c'est pas très très grave. Hop. Alors, les. Mes gardes, vous allez vous faire. Alors. Les hosts arrivent sur les murs. Lancier de Bien. jade, artisan De toute façon, oui, prodige. il est descendu du coup. Et t'as perdu aucune tour? Non, non. Un canon Je décale. Spirit Host. je sais pas trop comment ils vont venir quand même, hein, les Spiritos, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et pas mal de tireurs aussi. Et je sais pas. Au pire, sinon tu redescends. Hein. Ouais. Tiens, le truc, c'est que là, pour l'instant, du coup, ça l'occupe. Donc, Ouais. après, c'est du Spirit Host, hein. C'est 60% de missile resistance, 75% de résistance physique et de la régène. Hein. 60%. Ah ouais. C'est de l'éthéré. Hein. Ouais. C'est. Ah non, j'avais pas le 60% de résistance au projectile en plus. C'est pour ça. Donc, Ouais. ça peut. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a. Il a bon, il a un lord.
Ouais, il a pas Il a grand-chose pas de mal de plus. Il a cavalerie. un peu de cavalerie, un peu de J'ai pas mal cavalerie, de un lord. cavalerie. Ouais, si, il a 3 unités de cavalerie quand même. Voilà. Ok, ça c'est De l'autre bon. côté, c'est peut-être plus jouable. En plus, de l'autre côté, je vais avoir ma cavalerie qui va me débarquer ensuite. Ouais, ok. C'est bon pour toi? Ouais, bon, de toute façon. Je vais pas se faire chier, j'ai carrément l'épreuve de contrôle. Ils ont une régène sans avoir besoin de. C'est une régène permanente. Ouais. Je crois. Oui, parce Limite que en fait. c'est recovery. Donc, Limite en alors c'est une fait. régène légère, hein. C'est une régène C'est légère. pas. Limite je vais rester en fait sur les murs orientés vers le. Bon, je te laisse gérer. Mais normalement, ils sont censés pouvoir prendre un peu. Et pourquoi est-ce que tu essayes de monter sur les murs alors que la porte est ouverte? Mazar. Monte sur les murs et Putain, monte c'est pas ce qu'on est. con à ce point-là. Tomber là, The tomber. gats are yours, ouais, c'est gentil, mais ils étaient déjà pétés les gats, donc. C'est gentil, hein, j'apprécie. Comme dirait l'autre, j'apprécie les fruits au sirop. Si on y va là-dedans. Hein? Est-ce que les fruits au sirop, ils nous foutent là-dedans? Non, c'est le j'apprécie, c'est Laura Burgonde. Ah. Ouais, ça picote un peu quand même les tirs. Force. Ah, du coup, ils montent. Ils montent avec ses guerriers à hallebarde. Mais qu'est-ce que tu fous dans la mêlée? Nom de Dieu, sors de là, arrête d'essayer de grimper. La Non, porte est eux ouverte, ils se font quoi. shooter pour rien. Je vais aller shooter la tour numéro 4. Je vais balancer une unité sur le canon et une unité sur les canons rouges. Bon, il n'y a plus de. T'as plus de lanterne. Y a plus d'eux? De lanterne. Bon, mais nickel. Alors, je veux bien que tu ailles te faire la tour niveau 4, hein, du coup. J'y suis. D'accord, C'est en cours. ok. L'autre, elle est à 57 HP, donc elle va tomber. Ouais, je te promets pas que je vais garder tous mes spiritos. C'est pas très grave. Parce que quand même, ça tapote. Hein. Et en fait, c'est surtout sur le moral que ça finit par tapoter, donc. Et pire, sinon, encore une fois, tu les fais descendre, hein. Tu les fais descendre à l'extérieur. Peut-être que je vais faire pour eux. Ils seront protégés des tirs. Lui, ça va lui bloquer ses archers ici, ses arbalétriers, parce qu'il faut qu'il les garde dans le coin si... des fois que toi tu reviennes. Donc, Là, il a Thunir, il a quasiment plus personne. Il a juste deux unités de. Il y a Jade qui ont bientôt tombé à court de munitions. En fait, c'est juste qu'il faut pas que le moral tombe. alors, on en est où? Allez, on tombe cette porte en vitesse. Ah, là, j'ai du souffle, c'est vrai. Oui, avec le Tarorgeist, t'as un souffle normalement. C'est vrai qu'il y a ça. Là, il est pas trop utilisable. Canon Ah, gris. ça y est, la porte est pétée. Ok, C'est nickel. bon. Non, toi c'est pas une bonne idée que tu sois tout seul là. Tu te On va barres. peut-être pouvoir avancer un peu là. Et bye. Alors par contre, non, les catapultes, vous arrêtez là. Stop, 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 c'est fini. Plus rien à taper. Hop, Alors hop, si, hop. vous allez taper ça dessus éventuellement. Bon, là j'ai une unité qui est trop toute seule. Ouais, la porte elle tombe trop lentement. Mais c'est une Alors fais pitié. gaffe au Vargeist, hein, ça a beau avoir la fin, si tu la mets contre des... Non mais putain, albardiers... je lui ai demandé de se barrer, ça me saoule. Allez. Beaucoup trop de monde en fait. Bah c'est pas la première fois qu'on fait ce constat. C'est... Allez, on s'envole.
truc, c'est qu'en fait, ils arrivent même pas à rentrer, en fait. Les portes sont ouvertes, ils arrivent même pas à rentrer. Bon, lui il aura mouru. De quoi? J'en ai un qui aura mouru. Lui, il est... Qui a 91? Il est HS, ouais, HS en morale. Il est tout seul, en fait. Oh putain, tu me casses les rouleaux. Qui arrive pas à s'envoler là, il a été deux qui ont été chopés par les albardiers. Ah mais tu parles des Vargeist aussi. Ah d'accord, oui, je pensais que tu parlais des Spiritost. Bah je suis en route, là j'arrive. J'ai quasiment fini. Attends, sinon je vais aller sur. Je vais leur ouais. Calquer une régène. Je veux bien. Je sais pas si ce sera suffisant. Voilà, le bâtiment, bah, je te laisse terminer la tour. La... Logiquement, elle devrait tomber. La T4, ce serait bien. Elle est quasiment finie. 50 HP, ce serait bien. Si les catapultes se décident à tirer dessus et pas à côté. Moi, j'ai du monde qui arrive hein, sur là où il y a les Vargeist. Je vois ça. Et là, j'ai le Terrorgeist qui va faire un petit souffle. C'est quoi, c'est des Graveguard? J'essaie de pas trop les cramer. Tellement lent, mais tellement. Ouais. Ça, vous allez la tomber cette tour là? C'est du délire. Hein. J'ai pas un seul tir qui a touché depuis tout à l'heure là. Ah ça y est. Putain. Bon, maintenant vous pouvez revenir. Non, donc c'est bon, du coup les Vargeist elles ont tué. Ouais, les Vargeist. Du coup, j'ai perdu un Spiritost. En plus, avec la chance que j'ai, il va se relever. Bon, là, il y a des arbalétriers qui ont plus de munitions. En fait, le problème, c'est qu'ils veulent impérativement passer par les murs, en fait. Pour rentrer, ça me pète les rouleaux, ça. J'ai les deux portes à côté sont ouvertes. Et ils sont tous massés pour essayer de passer sur les murs. C'est un peu chiant. La cavalerie a enfin réussi à passer. Peut-être bien perdre une deuxième unité de... De garde de quelque part c'est un peu le moins grave à perdre quasiment. Insupportable ce pack qui est coincé. J'ai 8 unités qui sont bloquées en bas du mur. C'est juste super chiant en fait. Bon, ici on va prendre ce point là, il est pris. Ok, nickel. Allez, on va aller s'occuper. Les canons, t'as des canons, des Green Gunners là-bas qui sont en train de nous arroser. Où ça?
à côté de son canon, près du point central. Je peux aller chercher avec les volants. Deuxième spiritost down. Par contre, les X-Wraiths, ça je veux bien qu'ils fassent attention. Oui, non, mais c'est bon. Ils sont pas tout seuls, donc ils sont quand même assez limités. Ils sont plus limités. Ah, oh, la charge. La charge des. Boum! La charge des émissaires d'outre-tombe sur les artilleries de fer dans oui, le dos. Ça, oui, c'est ça. Bon, on va pas dire que c'est fait pour, mais presque. Et, ah, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Allez, un point de plus. Ouais, on est en train d'enfoncer au centre. Ouais. Et le pot qui lui reste sur les côtés. Ça va, en fait. C'est juste que ça me fait un peu suer que j'ai pas tout à fait la moitié de mon armée qui est servie à rien sur ces murs à la con, quoi. Trop d'unité. Tout là. Hop. Tout tu vas aller ici. Là, c'est bon. Toi, tu fais rien. Tu vas venir ici. Ouais, je suis en train de gagner mon combat. Et là, ça s'effondre. Place centrale. Il lui reste plus rien là en fait. Ah non, il a plus grand chose, mais je pense que ça va pas tarder à s'effondrer. Il a encore un héros et. Il a un héros et son lord, voilà. Ouais, d'accord. C'est... Le carrosse, c'est bon. Il a réussi à débloquer quoi comme meuf? C'est bien le carrosse hein, qui fait plus de dégâts quand plus, bah, qui plus il monte en kill et plus il chope des buffs au fur et à mesure qu'il monte en kill. Genre à partir de 100 kills, il a 50% de résistance ultime. Là, il a 28 kills, pas tout à fait assez. C'est ça. En fait, à partir de 30 kills, il a attaque enflammée et des bonus d'attaque et de charge. Il enlève l'immunité à la psychologie et il régénère la vigueur à partir de 60 et à partir de 90, résistance physique 50% et stride. Ouais, et ses unités sont en train de... Il a plus de morale. Oui, non, de toute façon, il est en train de s'effondrer. Deux Spiritost, à supposer que je les récupère pas. Pourquoi tu fais plus rien toi? Et tout ça sans prendre le point. Qui est mieux. Ouais, ouais. Ça va s'effondrer d'une seconde à l'autre. Voilà. Là, y a... bah, peut-être qu'un petit peu de terreur, ça les a pas aidés.
Bon. Eh ben. Ça va. Un petit épisode d'1 heure, ça va C'est le moins faire. pire que... Je m'attendais à beaucoup plus de casques que ça, honnêtement. De bataille, 1 heure. Elle est un peu plus longue la mienne. La tienne était un peu plus longue. Bah, mes troupes sont un peu plus lentes globalement. C'est ça. Et, non, ouais, je suis un peu écœuré. Toutes mes troupes bloquées. Les seules qui sont passées, c'est les Grave Guard, quoi. Les Grave Mais Guard et les Wraith. tous Tous les les zombies et toutes les ghouls sont restés bloqués sur le mur. toutes les attaques de cité qu'on a fait jusque-là, ça s'est résumé à la même chose avec tes ennemis. Hein. Non, mais ce que j'en ai deux qui essayent de monter, mais le truc c'est que ils étaient une dizaine, douzaine à essayer de monter sur deux murs alors que les Ouais. portes étaient ouvertes sur les côtés. Non, Et ça c'est n'importe quoi. ouais, Cher, en termes de pathfinding, c'est à chier. c'est clair. J'espère que c'est un truc sur lequel ils vont bosser un peu sur le prochain patch parce que. Ouais, ça j'y crois pas trop. Je pense que c'est un tel boulot que. En général, c'est quand même pas. C'est pas un problème qu'on constate systématiquement. C'est en fait le problème de troupes qui sont très nombreuses et très lentes. Que du coup, pour aller d'un point A à un point B, bah, en fait, les échelles sont super mal. Mais je me demande si SFO, il n'y a pas Si, si, touché. je crois que SFO ralentit beaucoup le temps de pose des échelles. Donc c'est possible que ce Que soit. ça joue un peu, que ça soit pas forcément super compatible à jouer avec du zombie. Mais bon. Ouais, ou limite, t'as pas intérêt à poser C'est tes bon, j'ai rien échelles. perdu. C'est bon. Voilà. Vas-y. Bon, et bah écoutez, Ah, on effectivement, les X-Wraith 177 kills. Ça va. ouais, ils ont bien chargé, ils sont 21 000 de dégâts, pas mal. Ils se sont bien Allez, fait on plaisir. occupe. Bon, bah on espère que l'épisode vous aura plu, amis internautateurs et internautatrices. Bisous. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!